Hello friends, hola amigos. Bonjour tout le monde. Donc voilà un petit mise à jour du jardin. Comme vous voyez, je n'ai encore rien préparé pour l'hiver. Tout encore là, toutes les pots, toutes les plantes sont encore à l'extérieur. Bon, les températures commencent à frôler les 0 degrés. Cette nuit, il a fait seulement 1 degré. Et les nuits à venir, ce ne sera pas très différent. Mais pour l'instant, voilà, je laisse tout comme ça, car la journée, la température monte encore assez bien. Et donc voilà, les petits moments de température très basse ne font pas encore trop de tort. Ce week-end, je vais commencer à tout préparer pour tout rentrer, donc c'est-à-dire mes Strelitzia qui sont là au fond, le Dwarf Cavendish, le Jacaranda, quelques petites plantes là, et alors toutes les Plumeria, toutes les jeunes palmiers. Je vais rapprocher pas mal de plantes sous ma tonnelle. En dessous de ma tonnelle, il ne pleut pas, donc les plantes sont relativement bien à l'abri et au sec, et donc résisteront mieux au froid. Je ne vais pas construire des cabanes cette année au-dessus de Jubia comme j'ai fait les autres années. Je ne vais pas non plus appliquer la protection sur les Washingtoniens, car l'année dernière, il n'a fait que moins 3, moins 4, je pense. Donc c'est trop peu pour protéger tout. Donc je vais laisser tout tel que c'est. Et au pire, j'appliquerai la protection dernière minute. Donc la seule protection que j'appliquerai, c'est ici. Je mets un panneau en plastique ici au-dessus pour protéger les deux agaves, enfin les trois agaves, contre l'humidité. Le dionédule aussi qui est devant. Et un tout petit sabal, mais qui a plus du mal. Et je vais juste enlever l'aloe vera qui est derrière et les petits palmiers qui sont encore là et l'antana qui fleurit toujours d'ailleurs. Et je vais mettre ces phoenix reclinata à l'abri également. Donc pour ceux qui captent l'RTBF, la une, ce week-end, le dimanche, à 13h30, le jardin passe dans Jardin et Loisirs. Sinon, pour ceux qui ne les captent pas, ou pour avoir les sous-titrages en irlandais ou en anglais, je publierai la vidéo intégralement sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, voilà. À bientôt les amis. Au revoir.